En fait, aujourd'hui, on a organisé notre journée porte ouverte. Donc, on organise ça chaque année au début de l'année pour pouvoir recommencer les inscriptions pour les adultes principalement, pour le groupe communautaire et pour les cours de français langue étrangère. Puisqu'on a un groupe communautaire avec qui on fait des activités diverses, on mène des ateliers culinaires et des pauses café citoyennes. Et on a aussi les cours de français langue étrangère. Donc, nous, on a développé 3 groupes. Donc, on a des alphas, des débutants et des intermédiaires. Et donc, voilà, on reprend contact avec tout le monde et on réinscrit tout le monde pour commencer alors toutes les activités de l'année. Nous, on a 4 axes qu'on développe ici, puisqu'on est aussi une maison de quartier. Donc, il y a un axe projet de quartier. Donc, on mène des projets voilà, avec les habitants. Ici, on travaille avec les associations cette année du quartier, parce qu'il y a plusieurs associations à Jumet-Amande. Mais on a aussi notre premier objet social qui est en fait une école de devoirs. Donc nous, on accueille des enfants après l'école de 6 ans, de 6 à 12 ans. Et donc avec eux, ben, on les aide à l'accompagnement scolaire, mais on fait aussi toutes des activités. Donc le but d'une école de devoirs, c'est aussi d'ouvrir les enfants au monde qui les entoure, aux différentes cultures. Et donc voilà, dans un contexte actuel, la multiculturalité est aussi très présente. Et donc on travaille énormément avec les enfants, toutes des activités qui les mènent aussi à devenir des citoyens dans leur quartier, dans leur ville. On est vraiment ouvert à tout. On est là pour toute question éventuelle. Finalement, on peut aussi aider à dire aux gens, mais voilà, vous avez un problème administratif, ben alors on va peut-être vous diriger vers quelqu'un d'autre. Donc on essaye vraiment de répondre à tout ce qu'on peut et on accueille des gens de partout. C'est vrai que pour l'école de devoirs, on priorise des enfants qui sont dans les écoles avoisinantes, dont les parents n'habitent pas trop loin, parce que pour un niveau organisationnel, si les enfants arrivent à 4h30, ben voilà, le groupe est déjà au travail, il a déjà eu des activités, donc c'est vrai que pour l'école de devoirs, on priorise les environs, mais pour toutes les autres activités, c'est complètement ouvert à tout le monde. Donc voilà, pour ça, venez, il n'y a pas de souci, on est là et on vous accueille et on répond à toutes vos questions. Voilà.